Hey Maslow, ici Defroy, aujourd'hui on se retrouve, oui j'ai pas mon skin, c'est normal, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la mairie comme t'as pu voir dans le titre de la vidéo, pour le tutoriel de la mairie, enfin, vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé dans les commentaires, parce qu'effectivement c'est la vidéo que j'étais censé faire après la vidéo du port. J'ai d'ailleurs toujours pas mis vos bateaux dans la marina, je vous montrerai ça la prochaine fois. Voici un peu le bâtiment que j'ai fait. Alors je précise aussi, je suis en train de bosser sur un truc énorme, sur une maison complètement énorme à côté de celle-là en parallèle, hein. Et donc c'est pour ça que ça me prend un petit peu de temps, que vous avez peut-être un peu moins de vidéos en ce moment. Voilà, donc vous verrez ça plus tard, c'est vraiment énorme. Par exemple, par rapport à la taille de la mairie que vous voyez ici, la mairie elle est 3 ou 4 fois plus, au moins 4 fois plus petite. Et le plot est moins 12-15 fois plus petit, enfin c'est vraiment, c'est énorme quoi. C'est une seule maison sur la taille d'une ville presque, enfin, c'est un truc de fou. Donc je vous invite à vous rester abonné peut-être si vous avez envie de voir ça. Aujourd'hui on va se retrouver du coup sur la création de ce bâtiment, vous voyez qui est quand même légèrement la classe aussi, hein, on va pas se mentir, avec un escalier qui est complètement en dehors de la structure du bâtiment, tu vois, dans une tour de verre. Et au niveau de chaque étage, ce sont des passerelles plutôt, en bois qui lient le bâtiment aux étages. Et avec des espèces de terrasses complètement fous, voilà. Et donc c'est ça qu'on va faire tout de suite, je te retrouve directement sur la map de construction. Voilà un peu du coup ce que ça donne, hein, sans les shaders. Alors évidemment, il y a aussi les drapeaux qui vont bien, hein, pour la mairie, donc le truc classique. Alors certains pourraient dire aussi qu'il y a un petit peu beaucoup de végétation. C'est voulu, voilà, c'est le style de construction qui veut ça, que j'ai voulu en tout cas, hein, donc de mettre vraiment beaucoup de végétation. Voilà, c'est assumé complètement, donc voilà, si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins, bien évidemment. On va commencer tout de suite par le pattern au niveau du sol, pour voir quelle empreinte la maison prend au niveau du sol, tout simplement. Voilà. Et donc, je vais vous donner les dimensions des différents éléments. Il y en a trois au niveau du sol, hein. Il y a le grand truc en serpentin, là, comme ça, il y a l'espèce d'annexe là-bas, et il y a la tour en verre. Je vais commencer par la tour en verre. Alors la tour en verre, on va prendre du verre bleu déjà, verre bleu clair, et on va venir en poser 7 comme ça sur la longueur, ok. Puis on va en mettre une barre de 2 sur la diagonale, 2 blocs en diagonale, une barre de 2 comme ça, et on remet 7. Et pareil, on répète le truc, 2 ici, 2 en diagonale, 2 ici, 7, puis 2, 1, 1, 2, 7, 2, 1, 1, 2, 7, etc, etc. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va mettre le bâtiment par rapport à la tour, évidemment. Donc l'idée, c'est qu'on va venir prendre les blocs de béton blanc, hein, déjà, et on va venir compter par rapport au premier bloc ici, ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ok, 23 blocs, puis 2... Alors, 1, 2, 3 blocs sur le dessus, ok. Donc on part de là-bas, on compte 23 blocs dans cette direction, 3 blocs au-dessus, et on pose notre bloc à ce niveau-là, et ça va être le coin de notre bâtiment, véritablement, ok. Donc, je vais vous donner après les dimensions au fur et à mesure de toutes les barres de béton qu'il y a ici, vous voyez. Donc il faudra juste rester attentif. L'idée, c'est qu'on va partir de cette barre-là qui va faire 20 blocs de béton au sol, ok. Ici, on en a 3, ok. Ici, 6, ok, ici 3, ici 3, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs en diagonale, puis une barre de 2, 2, 2, 4, 5, 4, 2, 2, 2 blocs en diagonale, 2, 2 et 2, ok. Donc une fois qu'on arrive ici, on remet une barre de 20 blocs de longueur à ce niveau là, d'accord. Et à ce niveau là, du coup, pour repartir dans ce sens là, on est à 7 blocs sur cette longueur là, très bien, ok. Ici on est à 4, ici 3, ici 2, 2, ici on a 3 blocs en diagonale, ok, ici 2, ici 3, ici 4, ici 4, ici 5, 4, 2, 2, 2 blocs en diagonale, 2, 2, 2, 4, et 4,
ici à ce niveau là. Donc normalement vous avez tout le pattern pour ce truc là. L'idée c'est que je vais vous donner les dimensions maintenant pour faire les limites des terrasses maintenant à ce niveau là. C'est à dire que je vais vous donner les traits blancs que j'ai fait traverser là-bas, c'est pour la démarcation des terrasses à ce niveau-là, ok? Comme ça au moins, elles seront faites, tout simplement. Alors, on va prendre... Je vais te montrer ça. On va partir de ce bloc-là, ok? Et on va dans cette direction-là, et on va prendre le premier bloc qui est en diagonale à ce niveau-là, ok? On met une ligne en diagonale tout jusque l'autre bout, et ça nous fait notre première limite, ok? Puis on va un peu plus loin, on va prendre la barre de 4 qui est à ce niveau-là, d'accord? Et après, on va décaler de... On va laisser un bloc sur le côté, et on met juste une barre de 2 comme ça, en diagonale, sur toute la longueur, pour atteindre l'autre bout. Ok, donc là, on a vraiment nos repères pour faire le bâtiment principal. Je vais vous donner les derniers ici, là-bas. Donc, en partant de ce côté-là, du coup, on va jusque la deuxième barre de 2 à ce niveau-là. Vous voyez, quand je vous ai dit toutes les dimensions, j'ai mis deux barres de 2. On prend cette deuxième-là, puis on va en diagonale sur deux blocs en diagonale. Deux ici. Ici, on est à 6 blocs de longueur, ok. Puis 2, 2 en diagonale, 2, 6 ici, 2, 2 en diagonale, et 2 ici. Ok, et non, normalement vous devez vous rejoindre à ce niveau-là sur une barre qui fait 4 blocs de long. Voilà, donc normalement on est bon au niveau des dimensions. Maintenant l'idée c'est qu'on va faire les étages. L'idée c'est que ce schéma qu'on vient de faire au sol, là on va le monter jusqu'à 16 blocs de hauteur, ok. Donc on va prendre le béton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok. Et on reprend la même hauteur partout. Ok, voilà ce que ça donne. Alors on veut juste la partie annexe qu'il y a derrière à ce niveau-là, on va juste la monter que de 9 blocs de hauteur, ok, et pas de 16 blocs comme la grande partie. Ok, donc l'idée c'est que maintenant on va monter les terrasses, hein, les autres parties de la mairie, et l'idée c'est qu'on va suivre cette partie-là, vous voyez, la partie en diagonale qu'on a laissé ici, ainsi que tout le reste de ce côté-là, mais tout ce côté-là, on va le laisser tel quel, donc on va le monter de 1 étage, soit 5 blocs, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on va vraiment monter de 5 blocs de hauteur, donc 2, 3, 4, 5, ok, et on va monter ce 5 blocs sur toute cette partie-là du bâtiment. Voilà, alors du coup, maintenant, on va faire la même chose avec la dernière partie du bâtiment à ce niveau-là, hein, évidemment. On va suivre la ligne de blocs qu'on avait mis au départ, donc avec la ligne en barre de 2, hop, comme ça, ok. Hein. Et donc, toute cette partie-là du bâtiment, on va la lever encore de 5 blocs de hauteur, et puis ce sera bon, hein, tout simplement. Donc, 2, 3, 4, 5, et toute cette partie-là à 5 blocs aussi. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, du coup, on va lever la tour en verre ici à ce niveau-là pour l'escalier, on va la monter à 30 blocs de hauteur. Hein. Donc ça, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 30. Et voilà, donc l'idée c'est qu'on va monter tout le reste de la tour comme ça à 30 blocs de hauteur, hein, évidemment. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant on va dessiner la forme des étages, hein, dans la structure qu'on vient de faire. La structure est faite, hein, mais maintenant il faut la peaufiner un petit peu. Et vous voyez que sur le modèle, les étages en fait en béton, ils font que 2 blocs de large et après il y a 3 blocs d'espace entre chaque. Voilà, et c'est ce qu'on va faire tout simplement, on va dessiner dans la structure, voilà, les étages qui vont y avoir. Donc on va prendre la partie la plus haute ici, on va laisser 2 blocs à partir du dessus et on va compter 1, 2, 3 blocs en dessous qu'on va enlever. Donc là pour l'instant je fais juste des repères, hein. Ok. On va laisser 2 blocs ici, on va en compter, hop, 3 à enlever ici, ok, 1, 2, 1, 2, 3 à enlever, ok, pareil, 1, 2, 1, 2, et 3 à enlever, et pareil ici, on laisse les deux derniers, et 1, 2, 3, et on enlève même 4 blocs pour la fin, pour aller tout jusqu'au sol, et donc du coup on aura 1, 2, 3, 4, 5 étages, en tout, et l'idée c'est que les trous que j'ai fait, on va les prolonger sur tout le long de la structure, sauf... Et je dis bien sauf sur la partie en annexe à ce niveau-là, ok. Voilà, voilà. Voilà, hein, on peut aussi enlever du coup les murs qu'on avait laissés à l'intérieur, hein, parce que c'est les murs qu'on avait laissés ici, c'était juste des repères pour pouvoir segmenter comment on appelle ça, les terrasses. Alors du coup, une fois qu'on a ça, on va remplir tout simplement chaque étage avec du bois, avec voilà, un plancher.
Et on va juste faire un petit truc avant, c'est que vous voyez, au niveau des coins ici, eh bien, il n'y a pas de bloc. Les barres de béton sont reliées entre elles juste par leur diagonale ici, comme ça. L'idée, c'est qu'on va mettre des blocs pour avoir une sorte de continuité, comme ça. Ok, voilà, donc sur tout le contour, hein, pouf, 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 pouf. Vous voyez, histoire d'avoir une ligne un peu plus épaisse, plutôt que d'avoir juste une ligne très très fine comme ça. Hein, c'est comme ça que c'est sur le modèle. Oui, je parle très bien la France. Vous voyez, hein, donc c'est pour avoir une vraie ligne continue de blocs de béton. Et on fait ça sur tous les étages, évidemment. Donc sur toute la surface ici et sur chaque étage. Ok, et donc voilà un peu ce que ça donne. C'est un peu plus fluide à l'œil. C'est plus sympa à regarder quand c'est avec une ligne pleine comme ça. L'idée maintenant, c'est tout bête. Hein, on va utiliser les planche de bois, hein, classique, et on va déjà faire un sol. Alors le sol lui-même, on va tout simplement copier la forme de ce qu'on a au-dessus, hein. Voilà, l'idée c'est qu'on va... Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Non, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc on va coller, enfin on va creuser dans le sol exactement la même forme que ce qu'on a au-dessus, hein, vous voyez, et on va faire un sol comme ça. Voilà, hein, tout bêtement. Le sol mis. Alors l'idée c'est qu'on va mettre évidemment le sol pour chaque étage, le plancher, au niveau du premier bloc, vous voyez, en hauteur, ici comme ça, paf, 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 sauf au dernier niveau qui sera le toit. Là on mettra rien pour l'instant, mais voilà, pour l'instant on va mettre des planchers à tous ces étages là. Voilà. Alors pour le dernier étage du coup, cette dernière partie là, on va tout simplement mettre un plafond. Parce que comme ça sera le toit, on va mettre un plafond au niveau de cette ligne-là de blocs, ok. Donc on va tapisser toute la première partie ici en béton, et au-dessus, on va mettre des blocs d'herbe, ok, comme ça. Et on va tapisser toute la surface ici comme ça. Voilà, hein, donc on a bien l'herbe au-dessus et le plafond en dessous. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre les murs à l'intérieur de notre bâtiment. L'idée c'est que du coup... Sur cette terrasse là, sur cette partie là du bâtiment, on va pas mettre les murs directement derrière les blocs de béton tout de suite. L'idée c'est qu'on va laisser une marge pour avoir une terrasse qui est dessous à ce niveau là. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs et on va faire le mur juste après. L'idée c'est que là je vais dessiner le mur au niveau du sol et après on va aller monter jusqu'au plafond comme je fais d'habitude. Hein, ça marche plutôt bien donc on va garder ça. L'idée c'est que voilà, on va juste mettre des murs en bois, donc de sapin, ok, comme ça, le long des blocs de béton. Il y a juste un truc qu'il va falloir respecter, c'est que un coup sur deux sur ce côté-là du bâtiment, on va décaler les étages, c'est-à-dire que vous voyez, sur l'arrière du bâtiment ici, là il y a un décalage, ici il n'y en a pas, ok, ici il y a un décalage, il y a une terrasse, ici il n'y en a pas, ici il y en a un, etc. Donc il va falloir prendre ça en compte. Ici sur l'étage sur lequel je suis, il y a effectivement un décalage, puisqu'on part de zéro avec un décalage, puis là il n'y en a pas, puis il y en a un, etc., etc. Donc on va compter 2, 3, 4, 5 blocs, et après on va mettre une ligne à ce niveau là. Hop, 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 et on va tapisser hop, le reste des murs à ce niveau là. Je vous montre comment je fais un étage, et après je ferai juste une petite variante pour les autres. Hop, voilà, donc là on tapisse vraiment tous les murs, comme ça. Maintenant l'idée c'est qu'on va faire des trous dans les parties en bois qu'on vient de mettre, et on va mettre des vitres à la place tout simplement. Donc l'idée c'est qu'on va mettre une vitre par exemple à ce niveau là, vous voyez, donc une vitre de 4 blocs ici. Faut savoir que la partie en bois va monter jusqu'au plafond pour faire les murs, hein, donc ici ce sera vraiment l'emplacement de la vitre, ok. Puis à peu près à ce niveau là par exemple, on peut faire une vitre ici aussi. Puis ici aussi par exemple, voilà, puis une ici, voilà, hop, pareil de l'autre côté. Alors l'idée c'est que les vitres elles vont se superposer les unes les autres, surtout de la longueur de la hauteur du bâtiment, hein, évidemment, hop, ici aussi. Alors ici là ça sera le point de passage avec l'escalier dans la tour, là donc on va rien mettre à ce niveau là, on va remettre des vitres ici, hop. Et ici, et je pense qu'on est bon avec ça. Donc l'idée c'est que maintenant on va monter tous les murs jusqu'au plafond. Voilà l'idée. Alors une fois qu'on a ça, on va mettre les portes d'accès quand même pour pouvoir aller dans la maison, enfin dans la mairie. L'idée c'est qu'ici on va mettre un accès pour aller à la terrasse, donc en plein milieu de la
du mur, hein, voilà, comme ça par exemple. Hop, la même chose de l'autre côté ici, on va mettre des murs ici comme ça, enfin une ouverture ici comme ça. Alors, et ici, on va mettre un accès pour aller jusque dans la partie en vitre ici. L'idée c'est qu'on va venir directement compter sur notre tour en verre à ce niveau-là. On va se mettre à la même hauteur que les trucs, n'empêche, enfin que les étages. Et donc on va laisser 1, 2, 3 blocs à partir de la dernière ligne à ce niveau-là, hein, ok. On va laisser 3 blocs ici, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs d'ouverture pour pouvoir aller après, pour pouvoir faire passer la passerelle. Hop, donc on enlève tout ça, l'idée c'est que je pense qu'on va même enlever tout sur une grande hauteur, hein. Hop. Hop, bref, donc du coup, on va pouvoir faire une ouverture un peu comme ça. Là je suis un bloc trop bas, hop. Alors, hop, on met les lignes, en fait on va pas mettre les blocs au niveau du milieu, hein. On va juste mettre des lignes comme ça. Hop, alors plutôt vers l'intérieur. Hop, ok, donc ligne de bloc de béton qu'on est en train de mettre ici, ça va être juste les bordures, ok. L'idée c'est qu'on va mettre entre ces bordures là, bah, du bois classique, hop, qui va être relié directement au bois des étages de la maison, de la mairie. Hop, ok. Et donc bah, on va tout simplement faire un trou à l'intérieur du mur ici pour pouvoir passer. C'est plus pratique que si on a un mur, hein, pour passer évidemment. Voilà, à moins que tu sois un magicien, je ne sais pas, mais bon, on va admettre que non. Et donc il nous faut une passerelle pour pouvoir passer, et donc c'est ce genre de choses qu'on va faire à chaque étage, ok. Puis voilà, l'idée du coup c'est que maintenant qu'on a ça, on va rajouter aussi des barrières de bois pour pouvoir faire des trucs un peu stylés, tu vois, sur cette partie là du bâtiment. Donc sur toute la terrasse à ce niveau là on va rajouter des barrières, hop, sur toute la surface ici comme ça, jusque ici. C'est à dire qu'on va laisser juste un bloc jusqu'à l'extrémité, hein, voilà, de chaque côté, et puis tout le reste on va le monter, hop, comme ça, jusqu'à avoir un mur complètement en barrière. Donc là j'ai quasiment fini, hop, voilà. Et donc ça on va le faire un coup sur deux, hein, puisque l'étage du dessous par exemple, hop, il va être complètement bouché, il n'y aura pas de terrasse, hein. Le mur va aller jusque là, hop, il y aura une petite fenêtre en plein milieu, et puis le mur va s'arrêter ici, quoi. Vous voyez, il n'y a pas du tout de... il n'y aura pas d'espace, comme je vous ai montré sur le modèle. Alors du coup, une fois qu'on a ça, on va rajouter quand même des portes que l'on va faire en vitre. Donc pouf pouf pouf, ici comme ça, voilà, une ouverture en vitre classique. Et évidemment, ici aussi pareil, voilà, ok, histoire de dire, hein, que ça fait un peu une ouverture moderne, là aussi. Alors ici, c'est, on va faire un peu autre chose, on va reprendre les blocs de barrière, sauf que on va pas faire une grande grille qui va venir sur toute la surface, on va juste mettre des piliers en bois comme ça, sur les extrémités, et un au milieu aussi, hop, hop, voilà. Et ici du coup on va en faire un au milieu à peu près à ce niveau là, ok, voilà. De l'extérieur ça rend plutôt bien, ok, on fera ça au niveau de chaque étage aussi. Alors une fois qu'on a ça, évidemment le tout c'est de rajouter des vitres au niveau des trous que vous avez ici. Je vais faire ça sur toute la surface du bâtiment. Voilà, bêtement, j'ai mis des vitres au niveau des trous, hop, et de l'extérieur, voici ce que ça donne, tout simplement. Voilà, donc l'idée c'est qu'on va faire ça au niveau de chaque étage, on va bien sûr respecter les terrasses aussi, au niveau des terrasses, hein, évidemment, et toujours, je rappelle, en respectant la... je vais vous montrer sur le modèle le petit effet, vous voyez, de zigzag que j'ai fait avec les terrasses ici. On va faire une terrasse un coup sur deux, et un coup sur deux on va mettre des murs tout le long des barrières qu'on a fait, tout simplement. Voilà, sur ce on fait ça sur chaque étage, et donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai fait tous les étages. Alors évidemment il reste tout l'escalier à faire, mais ça te prend déjà une belle forme, hein. On voit un peu la tronche que ça peut donner. Donc du coup, maintenant on va faire l'arrière ici, ça va être assez rapide. J'ai ouvert aussi d'ailleurs à ce niveau-là,
donc toute la partie ici hein, pour pouvoir avoir une pièce supplémentaire tout simplement. L'idée c'est qu'on va rajouter à l'extérieur de cette de ce cylindre là, hop, du béton sur toute sa surface sur deux blocs de hauteur à partir du haut, hop ici comme ça, ok, sur toute la surface. On va rajouter du coup des blocs d'herbe et blocs de béton pour pouvoir faire le plafond hein, comme pour le toit qu'on avait fait hein, donc du bloc de béton sur la surface sur un bloc en dessous le toit et un bloc d'herbe au niveau du dessus comme ça, et on fait ça sur toute la surface. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va mettre des fenêtres en dessous hein, pour pouvoir avoir des fenêtres hein, tout simplement. Donc on va ouvrir sur les parties plates et on va ouvrir sur le centre en n'oubliant pas évidemment de mettre du bois en dessous des fenêtres ici. Et ici, je sais pas s'il y a d'autres fenêtres que j'avais fait sur le modèle. Je vais aller voir vite fait. Hop, je mets la fenêtre ici quand même. Donc c'est bien ça. On va rajouter du coup des vitres. Hop, si j'arrive à les choper. Hop, ici comme ça, tout simplement sur la surface et sur les deux fenêtres, hein, évidemment. Hop, voilà. Alors du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'escalier. Voilà, on va faire la tour. L'idée c'est qu'au niveau de la tour, on va déjà mettre le sol, parce que c'est vrai qu'un sol tout en herbe, ça fait pas classe, hein, on va pas se mentir. Donc on va faire une ouverture déjà ici sur 3 par 3 blocs. Et on va faire tout le sol de la tour ici comme ça, avec le dessous des blocs de verre aussi évidemment. Un bloc de béton blanc, ok, et on fait ça sur toute la surface de notre tour. Ok, une fois qu'on a ça, on va faire les ouvertures au niveau de chaque étage vers, hop, notre tour à ce niveau-là, ok. Hop, hop, et on va venir compléter les passages, évidemment. Ok, alors, voilà, on va faire 3 blocs, 4 blocs de hauteur pour chaque passage, quand même. Ici, pareil, hop. Je suis en train de tout péter. Ok, donc on va faire des ouvertures comme ça. On va mettre évidemment les blocs de bois au niveau de chaque étage. Voilà, hein, tout simplement. Alors une fois qu'on a ça, on va dessiner véritablement l'escalier sur les parois de notre tour. Hein, ok, et donc l'idée c'est qu'on va venir partir de notre bloc ici et de mettre des dalles de bois de 2 blocs par 2 blocs collés sur le côté de la tour. Hop, du moins pour le premier escalier, hein, puisque l'escalier, vous voyez, ils arrêtent jusqu'ici. Donc lorsque vous entrez dans la tour, en fait, vous pouvez aller dans le premier étage directement en prenant la droite, là, donc c'est plutôt pratique. Alors que, pour passer d'un étage à l'autre, après, il faudra faire un tour complet de la tour pour pouvoir monter d'un étage à l'autre. Donc l'idée, c'est qu'on va doubler tout simplement la hauteur des dalles, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième étage ici, on va mettre 4 dalles par 4 dalles. Hop, ici comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en, en étant, hop, en s'abaissant que d'un demi-bloc à chaque fois. Voilà, donc il y a juste la dernière marche ici qui va être un petit peu plus longue, qui va faire 6 blocs en tout. Mais voilà, un peu l'idée, c'est ça à quoi va ressembler notre escalier au final, et chaque étage évidemment fera après la même chose. Donc l'idée c'est qu'on va faire après des blocs qui vont, des marches qui vont faire 3 blocs de large. C'est-à-dire que ici, par exemple, eh bien les marches vont faire 3 blocs de large. Et en diagonale aussi, donc c'est ça qu'il va falloir gérer un petit peu. Hop, hop, ici par exemple, vous voyez. Donc c'est un peu à ça que va ressembler notre escalier à la fin. Donc, on rajoute des blocs ici comme ça, et on va rajouter de l'épaisseur à notre escalier, puisque c'est vrai que des marches qui sont toutes rikiki comme celles qu'on a fait, c'est un peu pas terrible. Hop, donc on va faire un truc comme ça. On va essayer de faire en sorte que ça soit symétrique d'un côté à l'autre de l'escalier. Et vous voyez, on va faire un truc un peu comme ça. Alors une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est qu'on va venir rajouter des blocs de béton blanc sur le côté de l'escalier pour faire un peu une rambarde. Hop. Ok, plus un bloc encore au-dessus pour faire une rambarde un peu plus épaisse, tout simplement. Hop, 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 ok. Et ça nous fait un truc assez joli. Alors il va falloir... ouais, non, c'est bon, ça passe, c'est plutôt sympa.
L'idée c'est qu'évidemment du coup on va refaire la même chose sur notre escalier un peu plus long pour monter à l'étage du dessus. Donc hop, on augmente l'épaisseur de chaque marche. Même si ici ce sera plus facile que pour la partie d'en dessous vu que les marches sont plus longues. Donc a priori voilà, ce sera plus simple. Hop, hop, etc, etc. Hop. Hop, etc, etc. Donc voilà, je fais ça tout du long. Après, évidemment, on va rajouter les blocs de béton. Hop, comme ça. Hop, et ce, sur tout le long de notre escalier pour pouvoir avoir une épaisseur de rambarde un peu intéressante. Et voilà l'idée. Donc c'est ça qu'on va prolonger vraiment sur tous les étages jusqu'en haut. Et je vous montre à quoi ça ressemble à la fin. Hop, voilà ce que ça donne. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Vous voyez, ça fait une jolie spirale. Hop, avec à chaque fois 3 blocs de marge par marche. Et vous voyez, c'est très très agréable hein, comme escalier. On peut courir dedans, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, c'est super classe, moi j'aime bien. Voilà. Alors pour que ce soit encore plus la classe, on va prendre les demi-blocs, les dalles de quartz. Et on va venir faire un espèce d'étang à l'intérieur de notre tour ici. Vous voyez, donc on va faire un truc comme ça à peu près. Alors pouf, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. On va essayer de faire une courbe un peu jolie. Hop. Voilà, donc on va faire un truc un peu comme ça. On va essayer du coup de rajouter des blocs sur la longueur ici. Hop. Un peu comme ça. Ok. Un truc qui s'enroule un peu sur lui-même de sorte à revenir après sous l'escalier pour avoir une sorte de bassin ici à ce niveau-là. Donc l'idée c'est qu'on va véritablement creuser dedans pour pouvoir mettre de l'eau, de l'herbe, pouvoir faire un water feature comme on appelle ça. Donc de mettre tout simplement de la décoration, hein, voilà, des trucs à fumer, tout ça. Donc on ouvre tout ça et on enlève... aussi la partie en dessous, parce que là vous voyez on a des dalles de quartz et en dessous ce sont des blocs de béton, et donc il y a un problème de texture entre les deux. L'idée c'est qu'on va utiliser du coup des blocs de béton, pas du tout des blocs de quartz, pour pouvoir avoir une continuité dans notre texture. Voilà, pouf, etc, etc. Voilà. L'idée du coup maintenant c'est qu'on va venir faire un petit peu des îles. On va prendre nos blocs d'herbe et on va pouvoir utiliser notre imagination et essayer de faire un petit peu, voilà, des îles. Par exemple ici on va faire un bout d'île, ici on va faire, enfin c'est pas une île mais voilà, t'as compris l'idée. L'idée c'est que ici par exemple on va faire une autre île, ici on va faire un autre truc, et tout le reste ici à ce niveau là ça va être de la flotte. Donc on rajoute de l'herbe ici quand même, histoire que ça soit un peu plus joli. Et voilà, donc on rajoute peut-être 2 ou 3 blocs de verdure. Et puis après tout le reste ici, ça va être de l'eau. Donc tant qu'à faire à rajouter de l'eau, autant l'embellir encore plus et prendre de la laine bleue. Et venir tapisser le fond là où il y aura de l'eau avec de la laine bleue directement. Ok, pour que la couleur ressorte encore plus au travers de l'eau. Puisque comme l'eau est un petit peu transparente, et bien du coup ça va nous permettre, hop, de voir encore plus le côté bleu et de faire un water feature encore plus prononcé. Là j'ai en train de tout péter, voilà. Et on va rajouter que de la flotte. Alors du coup on va prendre de l'eau, youp, avec des sauts de flotte, et on va boucher tout le reste. Maintenant l'idée c'est qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir rajouter des fleurs, rajouter de la canne à sucre, rajouter de la décoration, vous voyez. Déjà, là, déjà, ça paraît plus sympa. Là, déjà, c'est plus joli. Vous voyez, dès que tu entres, si j'arrive à sortir, on va élargir la porte, parce que visiblement, même une porte de 3 blocs de large, j'arrive pas à sortir. Et du coup, une fois quand tu entres ici, bah, tu vois, d'un seul coup, c'est déjà beaucoup plus sympa. On va pas se mentir, hein. C'est déjà beaucoup plus sympa, et on va rendre ça encore plus sympa encore. On va utiliser des fleurs, comme ça, des trucs comme ça. On va utiliser aussi du coup des cannes à sucre, parce que les cannes à sucre, mine de rien, ça fait du sucre.
Voilà. Et surtout, on peut les empiler. Vous voyez, les cannes à sucre, on peut vraiment les empiler. Et comme il y a un trou à l'intérieur de notre escalier, eh bien du coup, on va pouvoir faire passer des cannes à sucre, en partie en tout cas, dans cet espace qu'il y a ici. Vous voyez, donc pas trop non plus, pour que ça soit pas complètement fou furieux, mais comme il y a de l'espace, ben, on vraiment peut l'utiliser, on va pas en mettre trop non plus, mais vous voyez, voilà, ça tout de suite, ça donne quelque chose de plus sympa. Alors l'idée, c'est qu'on va venir mettre les grandes fleurs en fond de notre paysage, ici comme ça, vous voyez, parce que les grandes fleurs sont plus grandes que les petites. Voilà, là ça paraît assez obvious, et du coup on va pouvoir mettre les petites en devant, sur la devanture, parce que le problème c'est que si on mettait les petites fleurs comme ça, derrière les grandes, eh bien on les verrait pas, tout simplement. En partie du moins. Donc on va plutôt faire ça comme ça, c'est vrai que voilà, j'ai été un petit peu bourrin, là j'ai vraiment tapissé tout le fond avec des grandes fleurs, on peut évidemment être un petit peu plus subtil que ça. Hop, vous voyez. Voilà, donc on va rajouter quelques machin comme ça aussi. Voilà. Et vous voyez, d'un seul coup, là, ça donne quelque chose de beaucoup plus sympa directement. Alors, on va encore ajouter des choses avec de la poudre d'os classique. Moi, j'aime bien la poudre d'os. Hein. Je sais qu'il y en a quelquefois dans les commentaires qui disent que ça fait un peu quelque chose de pas entretenu quand on utilise de la poudre d'os. Bah, je comprends l'idée, mais moi, malgré tout, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Hop, donc on met de la poudre d'os là où il n'y a pas de choses. Et vous voyez, d'un seul coup là, hein, ah, c'est pas pareil. Alors on va encore ajouter une petite dernière finition que sont les nénuphars. Hop, c'est tenté que je les retrouve. Hop, qu'est-ce qui me fait, voilà, nénuphars. Hop, vous voyez, alors pas trop non plus, encore une fois, on va pas surcharger, mais enfin... Ah, là tout de suite, tu vois, ça fait pas mal. On va peut-être enlever un morceau de notre... Hop, vous voyez. Et puis voilà, c'est stylé, moi j'aime bien, tu vois, t'entres ici, tu entres dans cette mairie-là, et bien d'un seul coup, tu te sens bien accueilli, tu vois. C'est important, je suis désolé. Du coup, on a fini avec notre tour, non pas tout à fait, en fait, il reste le plafond. Alors le plafond, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'assez classique, mais qui rend très très bien toujours, hein, ça va être l'utilisation des end rods, des barres de lend, ainsi que des piliers de quartz, ici comme ça, piliers de quartz rayé, hop, et on va venir les mettre collés au plafond, voilà, ici par exemple, deux barres de lend, hop, voilà, pas de la même taille, parce que pourquoi pas. Et puis voilà, je suis désolé, moi quand j'entre ici, bah là ça pue la classe, on est d'accord, là ça pue la classe. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une entrée pour la mairie, parce qu'il n'y a pas encore d'entrée, on peut aller aux étages, mais on peut pas aller sur les premiers étages, enfin si, il y a une ouverture ici, mais c'est pas... L'idée c'est qu'on va du coup utiliser les blocs de dalles de pierre lisse, les jolies dalles là, tu vois. Et on va faire un trou à l'intérieur du sol pour pouvoir faire un petit chemin. Donc l'idée, c'est qu'on va s'aligner avec cette partie-là du bâtiment et on va, hop, venir à peu près au milieu ici, faire une ouverture de, allez, 5-6 blocs de large quand même. Et venir faire une ouverture comme ça qui va être un peu en courbe et qui va venir au niveau de notre fenêtre à ce niveau-là, par exemple. Hop, vous voyez, jusque-là. Donc ici par exemple aussi, on va faire une ouverture un peu plus large. Hop. Et comme ça, vous voyez, donc on a une ouverture, un petit chemin sympatoche. Et l'idée c'est qu'on va enlever tout de la terre ici et rajouter du coup des dalles de pierre sur toute la surface, ici comme ça. Ok, et on va tout remplacer ça comme ça. Voilà un petit peu l'idée. Alors... Une fois qu'on a ça, maintenant notre bâtiment il est quasiment terminé, en tout cas on a fait tous les accès, toute la structure, et donc on est plutôt bien. L'idée maintenant c'est qu'on va rajouter les finitions notamment avec les toits, hein, sur lesquels on va rajouter de la verdure, donc je vous invite à vous munir de feuilles, de pousses de chêne, de poudre d'os, voilà,
ainsi que de tout un tas de choses. On verra plus tard pour le reste. Alors du coup, on va rajouter du coup des pouces de chaîne. Hop. Alors moi j'en rajoute voilà quelques-unes sur les toits parce que j'aime bien rajouter beaucoup de végétation. Ça fait partie de mes goûts, vous voyez. Voilà. Et du coup, vous pouvez évidemment en faire moins ou en faire plus selon vos... Il est moche celui-là. Bon, tant pis, on le garde, mais... Qu'est-ce qui c'est moche ? Bon, tant pis. Alors, du coup, on va faire pousser les arbres ici, comme ça. Et voilà, donc il peut y avoir des big trees aussi. Moi, ça me gêne pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, quand il y a des arbres très très grands qui poussent directement sur le toit des bâtiments, comme ça, ça peut faire un peu bizarre. Ce que je comprends. Une fois qu'on a mis notre espèce de mini forêt sur notre toit, comme ça, on va rajouter tout simplement un sol un peu joli avec de la poudre d'os. Encore une fois, je sais qu'il y en a certains qui, la poudre d'os, n'aiment pas trop. Voilà, honnêtement moi j'aime bien, donc j'utilise ça. Vous pouvez utiliser directement des fleurs et les mettre à la main si vous avez envie, bien sûr. Les feuilles de chêne, moi j'en rajoute aussi toujours, histoire de faire croire à des petits arbustes, tout petit, tu vois. Hop, un peu partout ici, et aussi évidemment des feuilles qui débordent des côtés, parce que on aime les feuilles qui débordent, voilà. Parce que voilà, c'est doux, on aime ça. Tu veux que je dise quoi d'autre ? Voilà, donc alors on en rajoute un peu partout. Moi j'en rajoute beaucoup parce que j'aime bien. Et donc, toi tu fais ce que tu veux évidemment. Et voilà, on se fait plaisir un petit peu. Et donc voilà ce que ça donne pour cette partie-là du bâtiment. On fait la même chose à ce niveau-là. Paf ! Voilà ce que ça donne. Alors du coup maintenant, il nous reste plus grand-chose à faire si ce n'est les décorations sur le côté et aussi les drapeaux évidemment, parce que ça reste une mairie quand même, faut pas déconner. Donc l'idée c'est qu'on va venir mettre des arbres un peu sur le côté de notre petit chemin ici. Le truc c'est qu'on a envie de les mettre un petit peu en hauteur. Le problème c'est que les arbres que l'on fait pousser de cette manière... Ils sont un petit peu bas, on va pas se mentir, des fois, et donc ça peut gâcher le passage. L'idée, c'est qu'on va rajouter deux blocs de hauteur pour faire pousser les pousses directement dessus. Hop, et rajouter après des blocs de bois en dessous. Voilà. Après, je sais qu'il y en a aussi qui aiment pas trop les arbres générés normaux sur Minecraft. Encore une fois, voilà, vous pouvez faire tailler des arbres à la main. J'ai fait un tutoriel justement pour savoir comment on peut faire des arbres à la main qui soient vraiment jolis et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi. Et puis voilà, alors du coup maintenant, au niveau du sol, on va quand même utiliser quelque chose d'assez sympa. On va utiliser de la fleur rouge, des cocolicots, ainsi que de la fleur bleue, donc des orchidées. Et oui, je sais qu'on dit orchidée, je suis pas complètement ignare à ce point-là, mais moi j'aime bien dire les mots, déformer les mots, parce que, voilà, je suis un gamin. Alors, l'idée c'est qu'on va venir mettre des espèces de petites décorations au niveau du sol avec ces deux fleurs-là, voilà, donc je vais te montrer directement ce que j'ai fait sur le modèle. Hein. D'ailleurs, j'avais pas pris des roses, hein, j'avais pas pris des coquelicots, j'avais pris des machins comme ça. Enfin bref, l'idée c'est, vous voyez, de faire des espèces de serpentation, je sais pas comment on dit, de serpentin, de fleurs comme ça qui longent le long de la mairie, ce qui rend un truc un peu plus joli. Voilà, donc tout simplement un truc comme ça, hein, c'est rien de bien compliqué, et après on finira par la pose des drapeaux, parce que quand même, donc drapeau européen et drapeau français, on peut rajouter aussi le drapeau d'une région, si jamais vous êtes dans une région, voilà, genre la Bretagne, ils ont leur drapeau à eux. Hop, voilà, donc l'idée c'est qu'on va faire des espèces de traits comme ça de fleurs. Alors l'idée c'est que le premier première trace que vous allez faire ne va pas être forcément très jolie. L'idée ça va être de l'épaissir de sorte à ce que ça rende un peu mieux. Hop. Voilà. Est-ce que voilà. Et vous voyez, ça donne un... Lorsqu'on regarde de loin, ça donne quelque chose d'un peu plus sympathique visuellement. Après, l'idée, c'est qu'on va venir faire couper les traits de fleurs comme ça, entre elles. Hop, voilà, par exemple. Hop. Et on va pouvoir épaissir le truc là aussi, ici, aussi, bien sûr. Hop, hop. Etc. Donc je vous finis celle-là et après évidemment
On fera ça sur toute la longueur du bâtiment. Voilà, tranquillou. Bref, voilà, vous pouvez faire ça sur toute la longueur. Là, il n'est pas très très joli. On pourrait enlever ça ici. Hop. Hop. Voilà, histoire que ça soit un peu plus sympa. Bref, voilà, donc je vous ai montré le modèle, comment je l'ai fait. Donc, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, c'est pas extrêmement compliqué. On va finir juste sur la pose des drapeaux. On va mettre deux drapeaux. Vous pouvez en mettre un troisième, bien sûr, hein, sur celui que vous voulez. Hein. Des drapeaux, comment on appelle ça? Des drapeaux régionaux, notamment. Parce que pourquoi pas. Moi, je vais faire les deux drapeaux qu'on retrouve tout le temps. Hop! Drapeau européen et drapeau français, vous pouvez les faire flotter dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Je sais plus combien de hauteur je l'avais fait, moi. Voilà, 21 blocs j'avais. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc 21 blocs de hauteur pour les drapeaux, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas. Hop, on va commencer par le drapeau européen. Donc le drapeau européen, il est pas compliqué, il est tout bleu avec des étoiles. Les étoiles, on va le faire avec des boutons en bois parce que ça ressort un peu bien. Hop. Voilà, donc on va faire un truc un peu comme ça. On va pouvoir faire un drapeau assez balèze hein, quand même. L'idée, c'est de le faire comme s'il flottait au vent. Vous voyez. Hop. Alors, voilà, on peut faire un truc un peu comme ça. Un truc un peu classe. Voilà, bon, qui tombe un peu comme ça, pourquoi pas. Ok, donc il y a une 12 étoiles, si je dis pas de conneries, sur le drapeau. Je sais pas si j'aurai la place de mettre 12 boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. 8, 9, 10, bon, bah, il en manquera 2, mais ça ressemble un peu de loin. Oui, non, peut-être, voilà. Donc, le drapeau français, évidemment. Hop, 1, 2, 3, 4... à la même taille et tout, hein. La même chose, voilà, c'est exactement le même avec, bah avec des autres couleurs, hein. Voilà, donc je le fais rapido aussi, peut-être le faire un peu plus sur le côté pour qu'il se voit mieux, hop, voilà, donc on va faire une bande de bleu, une bande de machin, en blanc, hop, pouf. Voilà, et évidemment un truc en rouge qu'on va faire plus partir par le devant pour que ça soit plus classe. Hop. Est-ce que c'est classe? Non, il y a un truc qui m'embête ici. On pourrait faire plus classe. Faut que les drapeaux ils soient classe quand même, parce que sinon c'est pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il est classe? Ouais, il est classe, mais le blanc il est un peu parti en couille. Hop. Ah voilà, là c'est joli, là c'est joli, voilà. Donc on a notre mairie qui est finie a priori, donc j'ai plus grand chose à vous dire. Vraiment par contre là, je bosse sur, bah bon j'ai toujours mon skin pété mais c'est pas grave. Je bosse sur un projet depuis 4 ou 5 jours quasiment non-stop. Un gros tutoriel qui est beaucoup plus gros que celui que vous avez eu ici. C'est un truc de fou, donc vraiment, je vous le dis, il arrivera demain. Normalement, vous voyez cette vidéo vendredi 8, et bien il arrivera demain à 10h, samedi 9 à 10h, pour le premier épisode du tutoriel, parce que ça sera un épisode, enfin un tutoriel en plusieurs parties, parce que si je pourrais pas faire en une seule, c'est je tiens à la vie quand même. Et donc, voilà. Sur ce, j'espère que la mairie vous aura plu. N'hésitez pas à partager ça, à liker, à mettre un pouce bleu et à commenter la tronche que j'ai sur Minecraft, parce que c'est vrai que mon skin est complètement pété. Enfin bref, c'est mon pack de textures, c'est la connexion. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.